Et bien c'est les amis, c'est Mal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur Earthsky pour un nouvel épisode Skyblock de notre fameuse série. Les amis, comme d'habitude, il s'est passé pas mal de choses en antenne. Et surtout, pour commencer, on va vous présenter cette fameuse machine à cactus qui a quand même plutôt bien avancé. Comme vous pouvez le voir, on a un petit champ assez impressionnant comme dit, hein, voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Il nous reste maintenant, je crois, 12 petites, alors 3, 6, 9, 14, je crois 14 il me semble plutôt. Attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non en fait pardon, 12 lignes de cactus à finir. C'est vrai que ça a plutôt bien avancé, c'est assez rentable. On va voir ensemble là juste après que effectivement on a plutôt bien avancé en termes d'argent, de monnaie, hein. On a réussi à avoir quasiment un stack et demi de platine, et puis on a encore quelques stacks d'ambre qui traînent dans nos coffres. Et je vous avoue que cette machine est plutôt rentable, hein. Depuis avant je suis un peu en train de vider les coffres de cactus et ça avance plutôt bien. Donc déjà première nouveauté, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite aire de jeu pour fripouiller avec ces radoxys, je peux dire ça comme ça. J'ai un peu aménagé le sol en bas, je voulais faire une espèce de petite plateforme un petit peu, voilà, comment dire, j'ai même pas le mot, Aztec, je voulais dire un truc dans ce style-là un peu, mais c'est pas vraiment le thème. Mais effectivement, j'ai fait une petite structure avec pas mal de barrières, un peu de bois par-ci par-là, quelques trappes, des plaques de pression, histoire de voilà donner un vrai petit côté boisé. C'est assez sympa et puis comme dit, voilà, c'est fonctionnel dans le sens où on peut effectivement jump un peu partout et avoir accès à tous les coffres grâce à ce petit système de jump. Et franchement, pour tomber dans ce trou, je pense que c'est un peu compliqué parce que j'ai quand même pas mal sécurisé la zone. Enfin voilà, donc du coup après on a effectivement 3, 5, 9, 12, 15, je crois qu'on a 15 coffres effectivement. Donc du coup, si on reste à FK presque toute une nuit, on a 15 coffres de cactus, hein, donc 15 DC, et c'est vrai que c'est pas mal rentable. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour vous présenter d'abord en premier lieu cette fameuse farm cactus qui devient quand même pas mal vraiment fat, hein, donc, et aussi très rentable. Donc c'est vrai que si jamais vous voulez un bon système pour être rentable sur le serveur, je vous invite vraiment à faire cette machine, hein. Donc c'est très très simple, hein, vous faites une zone de 100 par 100 si votre île est capable de faire du 100 par 100, si vous avez un grade jusqu'à 130 par 130, et puis donc du coup effectivement ça vous donnera vraiment pas mal de cactus à la fin. Et après donc si vous êtes décourageux, vous pouvez ensuite la monter en hauteur. Nous je pense qu'on fera certainement 2-3 étages encore, mais voilà, d'ici là faut attendre qu'on trouve la motivation, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fini le premier étage, on sera déjà assez satisfait de cette première machine. Donc ici, comme vous pouvez le voir, au deuxième étage on est en train de créer une plateforme de terre, parce qu'on s'est rendu compte que la terre ça a quand même pas mal de level. On va juste prendre un bloc, on va faire la petite commande qui suit, donc /isValue, ça nous permet de savoir combien vaut un bloc. Et donc effectivement le bloc de terre vaut exactement donc 3 de, alors pas 3 levels mais 3 d'XP. Et alors si on fait un /ES level, donc en fait à chaque fois, alors à 290 points, alors je crois que c'est ah c'est bizarre ça maintenant, je crois qu'il y a une petite erreur de notre part. Il me semblait qu'il fallait 200 points à chaque fois pour up d'un level, mais alors finalement il me semble que c'est peut-être plus. Faudrait que je me renseigne un petit peu. Donc voilà, alors sinon après à l'étage effectivement il n'y a pas grand chose qui a évolué. Ceci dit, maintenant les gens, on va vous présenter un petit peu les challenges, parce qu'en fait en votre absence j'ai effectivement terminé les challenges. Alors je crois que c'était expert, non alors c'était pas expert, ça devait être donc du coup les compétents. Donc on les a finis, on a fait effectivement la fameuse farm à bois. Donc après, donc le seul challenge qui me reste à faire c'est effectivement les 10 de sardines grillées. Mais donc du coup effectivement on est passé du coup au challenge expert, et j'en ai fait pas mal en votre absence. Donc histoire rapidement de vous présenter un petit peu ce qui a été fait, il y a le fameux totem du Nether, donc qui était donc celui-ci. Donc voilà, il a été fait, donc très très simple de réalisation. Ensuite on a donc du coup le Nether, donc je sais plus, il me semble qu'il fallait plusieurs blocs du Nether, mais bon c'était pas très compliqué. Donc là il fallait qu'on fasse un village, donc c'est à dire qu'il fallait qu'on stack pas mal de portes, je crois un nombre de 30 portes ou quelque chose dans le genre. Alors là on en a à chaque fois donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ou peut-être 40 portes même, je sais plus exactement. Mais voilà, ils ont été placés, donc on a pu faire ce challenge. Ensuite il y avait donc du coup le piano, il fallait qu'on ait un certain nombre de blocs de musique. Donc c'était ce qui était là déjà dans les épisodes précédents, c'était donc du coup il me semble Pouillex qui les avait mis en place, et parce que lui il avait déjà un peu farmé les challenges. Ensuite on a fait donc du coup les challenges de level, donc voilà, il niveau 1000, il niveau 750, donc pour jusque la reine compliquée. Et sinon donc là voilà, il nous reste quelques challenges qui sont accessible, il faut qu'on fasse donc du coup 32 rails sur notre île, il faut qu'on arrive à récupérer quelques objets un petit peu rares, donc c'est à dire une selle, un name tag, ainsi qu'un nénuphar, il faut qu'on récupère 15 ender pearl, il faut qu'on fasse 64 de TNT, donc ça c'est vrai que ça risque d'être un peu plus chiant, mais bon ça ça devrait être fait quand même assez rapidement. Ensuite donc les 40 slim balls, donc ça je sais qu'on les a un petit peu farmés déjà, on commence à en avoir quelques-unes de côté. Donc les fameux 5 gâteaux et 5 tartes à la citrouille, pareil, c'est pas insurmontable. Ensuite, il faut que pour son pote Christophe, effectivement, on aura besoin de récupérer 64 de Netherrack, le sable des âmes, une larme de gaz, une carte, une boussole et une montre. Alors, il me semble qu'on a déjà effectivement la fameuse montre. Alors, si je regarde rapidement, où est-ce qu'on a pu mettre ça?
Voilà, donc effectivement, on a... Ah non, ça c'est des menus en fait. Mince, my bad. Ok, d'accord, donc va falloir qu'on les craft. Mais bon, encore une fois, c'est rien de très très compliqué à réaliser. Ensuite là il va nous falloir 16 pommes d'or, donc ça ça risque d'être un petit peu plus un peu plus cher à réaliser. Ensuite ici il nous faut donc du coup 64 de cobalt, de stone, de stone brick, de netherrack et de nether brick. Donc ça pareil, ça devrait être fait assez facilement. On va peut-être faire ce challenge d'ailleurs ensemble dans cet épisode. Ensuite il faut également qu'on ait 64 plumes, de poches d'encre et enfin de livres. Alors les poches d'encre ça ça risque d'être un peu délicat, mais on va essayer de forcer un peu le challenge. Et enfin donc les, du coup les deux derniers niveaux, enfin les deux derniers défis, il faut qu'on atteigne l'île niveau 2000 et 1500. Donc on a encore un petit peu de marge pour réussir à tout réaliser. Mais aujourd'hui les amis, on n'est pas là pour ça. Alors déjà je tenais à faire quelques remerciements. Tout d'abord à Shiny qui nous a fait un petit cadeau très sympathique de sa part. Alors comme vous pouvez le voir, on a reçu donc 32 ambres et on a reçu 6 de platine. À côté de ça, on a réussi à avoir 41 de TNT, 2 diamants et 1 minerai de diamant qu'on va s'empresser de poser directement pour gagner encore une fois quelques petits levels. Donc voilà, nos minerais de diamant vont rejoindre, bim, notre petite couche qui est juste ici. Ensuite, il me semble qu'on a reçu un autre don qui était plutôt sympathique et c'était donc de Tool Sizzlin, ou si voilà, j'arrive pas trop à prendre son pseudo, qui nous a donné 2 clés vaudou et 1 zombie spawner. Alors le zombie spawner, on va pas le poser aujourd'hui, cependant, on va utiliser les 2 clés vaudou, donc encore merci à lui, c'est franchement très sympa de sa part et donc du coup on espère effectivement avoir des trucs sympas. La fameuse clé vaudou, donc du coup pour l'avoir les gens, encore une fois je crois que c'est au slash, vous faites slash shop et vous pouvez l'acheter pour 50 coins au shop et il me semble qu'on peut pas l'acheter avec des ombres ou quoi que ce soit. Et donc voilà, bon alors du coup on est parti, encore une fois en petit rappel on peut avoir donc soit 32 ambres, soit 64, soit 2 stacks d'ambres, soit on peut avoir 1 platine, 5 platines, après on peut avoir éventuellement des spawners à cochon, à lapin, à vache, on peut peut-être avoir un kit mineur ou un kit redstone, un minerai de diamant ou 3 minerais de diamant. Donc on va voir un peu si on est chanceux. Alors, et on a reçu du coup donc 32 d'ambres. D'accord, bon bah c'était vraiment le défi qu'on ne voulait pas récupérer. On va tenter une deuxième fois, on espère être un peu plus chanceux cette fois-ci. Allez, peut-être que la chance nous sourit. Un spawner ça serait très plaisant et puis sinon des platines ça serait pas mal. Et ben non, encore une fois on a reçu 32 d'ambres. Bon bah décidément on n'a pas eu beaucoup de chance les amis. Alors est-ce qu'on a récupéré? Oui je crois qu'on l'a récupéré effectivement. Donc du coup on a reçu en tout donc du coup un stack d'ambre pour les 2 clés. Bon bah voilà, petite déception, mais bon en soi voilà ce n'est pas trop grave, puisqu'en soi voilà les spawners on pourra toujours les acheter par la suite auprès de ce petit PNJ qui vend des objets rares. Donc par exemple il vend des pick spawners. Bon voilà, bon en fait on aurait peut-être dû gagner effectivement un spawner, ça aurait été plus facile. Donc du coup aujourd'hui les amis, si on se retrouve, je voulais vous présenter quelques îles qui me tenaient à cœur. Donc premièrement je vais vous présenter quelques IS top hein, qui sont dans le top classement puisqu'il y a certaines îles qui ont des warps. On va regarder ça ensemble et ensuite après on va demander un petit peu aux joueurs si on a certains qui sont chauds à nous présenter un petit peu leur île. Donc du coup pour commencer les amis, IS top, donc en rappel, la 10ème île est à 1411 level, on est à 1099, on se rapproche tout doucement du classement. On devrait pas tarder à rentrer dans ce fameux top 10. Donc du coup les amis, pour commencer, on va aller un peu dans l'ordre décroissant, donc je sais plus quelle île a un warp. Alors donc pour commencer, alors oui donc c'est vrai que celle-là on n'arrive pas à y accéder. Alors ensuite il y a celle-ci. Donc du coup, donc là l'île numéro 7 qui appartient donc à Iron77, Gecko 85 pardon, et donc Made in England. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu sur cette île? Donc ici, alors celle-là, c'est vrai que je suis un peu sur le cul parce que je l'ai pas visité avant. Je pensais, alors il y en a une qui que apparemment je suis passé à côté. Donc ici on retrouve donc un farm. Alors est-ce que c'est un farm auto ou un farm semi-auto à citrouille, mais en tout cas c'est un farm qui est très optimisé comme vous pouvez le voir. Voilà, donc sur plusieurs étages, c'est un farm que j'ai l'intention de réaliser. Donc voilà, avec donc l'eau qui coule de façon totalement verticale afin d'irriguer l'intégralité des sols, tout simplement. Voilà, donc avec plusieurs citrouilles. Alors à cru comprendre, c'est un farm automatique, car j'ai cru entendre les pistons s'activer tout seul, sachant qu'il n'y a pas de joueur à côté. Si je dis pas de bêtises, donc je pense que c'est quelque chose de totalement automatisé. Ensuite ici, donc on a des grands champs de citrouilles, pareil, donc ça voilà, rien de mieux que de farmer par soi-même si on a une bonne hache FI5 avec un petit beacon qui traîne sur la map. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Alors ici ils sont en train de faire, j'ai l'impression, une petite déco, hein, rien de fou, donc voilà, une petite déco avec de la cobble. Donc ici on a les fameux challenges qu'on peut retrouver. Donc là il y a leur petite richesse avec les minerais de diamant et le reste. Alors là il y a une petite tour en fer qui fait plaisir, qui doit rapporter pas mal de level, hein, ça je dois vous l'avouer. Plutôt intéressante. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est un farm à mob. Je crois que c'est un farm à mob effectivement, et donc après les mobs vont sûrement mourir ici. Je ne sais pas trop comment c'est censé fonctionner.
Alors donc ici il y a un pharma vache. Par ici je crois que c'est encore un truc à citrouille. On va peut-être... Ouais c'est encore à citrouille. Donc un deuxième pharma citrouille qui est situé juste ici. Alors là maintenant je suis un peu perplexe avec tous les pistons qu'il y a là autour. Qu'est-ce donc que cette tour maraboutée? Y'en a qu'un brapa. Ok, alors en fait non, c'est pas un farm ici, d'accord, donc ça c'était juste une tour pour décorer. Ok, donc là on a fait le petit tour. Alors ici de ce côté je pense que c'est un farm à cacao. Voilà, bon qui n'est pas encore réellement mis en place mais ça a l'air. Donc là ici il y a une grande salle des coffres. Plus bas on peut retrouver effectivement un masse, un gros farm à cactus. Waouh, plutôt bien fat. Ok, qui commence à être mis en place, donc pas fini partout mais qui commence à prendre forme tout doucement. Donc c'est pareil, c'est du 100x100. Et puis donc du coup je pense qu'il doit sûrement y avoir un farm à faire qui doit être pas très loin. Parce que là vu tous les blocs de fer qu'ils avaient, je pense qu'il doit sûrement y avoir un petit système dans ce genre là. Alors ici là je suis intrigué. Parce que là il y a une salle des coffres avec juste au dessus. Donc là qu'est-ce qu'il y a? Ah bah ça doit être pour le farm à citrouille du coup. Là il y a tout un système en redstone. Donc je pense qu'il doit y avoir un gros truc automatisé qui doit traîner par ici. Et donc effectivement bah du coup ça doit... Ah alors ils sont en train de créer le farm à citrouille du coup. Et les pistons ils... D'accord, ok. Donc en fait ils sont en train de la monter cette fameuse tour. Ok, très bien. D'accord, donc ça je suis intrigué parce que je ne connaissais pas ce système. Mais il a l'air d'être plutôt pas mal. Il faudrait que je me renseigne un petit peu sur... sur comment fonctionne cette fameuse tour. Et donc du coup apparemment il n'y a pas de farm à faire. Je suis étonné parce qu'ils avaient pas mal de blocs de fer. Bon bah d'accord. Donc je pense qu'ils ont juste dû les acheter en masse. Et bah c'est qu'ils avaient pas mal d'argent. Bon, on continue du coup notre petite visite. Donc ça c'était effectivement donc l'Iceland Norage. Donc ensuite il y a maintenant celle-ci. Donc on ne peut pas y aller, fermer aux visiteurs. Donc on continue sur l'île 100% bio. Alors cette île là, ma foi les gens, est très intéressante. Parce qu'on peut retrouver donc d'une part ici un farm à cactus à canne à sucre automatisé, voilà, donc très simple, hein, voilà, c'est un farm comme ça qu'on aimerait réaliser avec Radoxy et Fripouillex par la suite, mais en grande nature, parce que là, comme dit, pour le moment, c'est que sur 3 étages, donc voilà, c'est pas forcément ouf rentable, vu sa petite taille. En revanche, quelque chose qui est très rentable, les gens, c'est ce qu'il y a juste ici. Alors, regardez bien, les gens, ils ont 4 spawners à golem. Alors, c'est vrai qu'ils sont plutôt énervés, les gens, parce que pour avoir 4 spawners à golem, faut y aller, car on peut les acheter uniquement via le shop. Mais comme dit, regardez, c'est assez intéressant, parce que les golems, du coup, tombent à l'intérieur. Ici, il y a juste, en fait, une petite couche, comme vous voyez, avec des pancartes. Donc, la lave prône que sur un étage. Du coup, lorsque le golem meurt, le fer va, en fait, rester juste sur la couche précédente et ils vont pouvoir les accumuler. Et c'est ce qui fait que, tout simplement, bah, ces gens ont pu avoir, donc, autant de fer. Regardez voir en bas là, ils ont une couche de blocs de fer assez fat, hein, faut l'avouer, ce qui donne quand même pas mal de level. Et donc du coup effectivement le fait qu'ils puissent farmer leur fer comme ça un peu entre guillemets gratuitement, ça avantage pas mal. Alors si jamais vous êtes intéressé à acheter effectivement ces fameux spawner de golem, pardon, excusez-moi j'ai un peu balbutié, on peut les acheter au spawn, mais effectivement pour 2000 coins le spawner à golem de fer, mais effectivement il suffit d'en avoir un et c'est déjà très rentable. Là en l'occurrence on en a 4, alors quand vous voyez l'allure à laquelle ça spawn, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Bon, on continue maintenant du coup au niveau des IS Top. Donc ça effectivement c'était les décos 100% bio de Yazuro et de Xdraki. Donc maintenant on va aller sur l'île de John Cena, donc malheureusement on ne peut pas y aller. Alors est-ce que par hasard celle-là on peut y aller? Effectivement, donc du coup ça c'était l'île de Paki, voilà, donc qu'il a renommé Packraft. Alors c'est une île, ma foi, très intéressante, on peut malheureusement pas la visiter, hein, parce qu'on est un peu fermé. Mais ceci dit, regardez, en dessous là, vous avez donc du coup un énorme champ de cactus, il me semble que c'est du coup, il y a plusieurs étages, ou peut-être pas, j'arrive pas bien à le discerner. Ici vous avez la fameuse usine à canne à sucre, donc ça c'est une usine un peu grandeur nature, hein, c'est un peu comme ça qu'on imagine avec Radoxy Fripouillex, ça sera quelque chose d'assez grand. Donc plutôt rentable sur le long terme, et donc du coup là-bas on a une machine à mob. Et bientôt, prochainement, il a dit qu'il y aura une usine à faire, donc avec des esclaves villageois, et ici bientôt une usine à melon et citrouille. Donc contemple le cactus, tout est chez Paki, sauf les antibiotiques, usine de canna, donc on n'a rien loupé il me semble, et donc du coup bientôt une usine à blé, carottes et patates. Voilà, donc du coup les gens ont un peu fait le tour de cette fameuse usine. Alors attends, vendeur esclave, et puis donc là ici on peut effectivement acheter donc des lingots de fer pour pas cher, pour seulement 3 ans. Donc si jamais vous voulez avoir donc effectivement du fer pour pas cher par rapport au spawn, il suffit d'aller sur l'île de Paki, vous faites IS Top et vous TP du coup à cette fameuse île. Voilà, histoire de lui faire un petit peu d'argent. Donc ensuite, la confrérie avec Shiny, Tom, Beza, Chanariel. Alors je crois pas qu'on puisse y aller, effectivement, j'avais essayé d'y aller. Cependant maintenant, la Tryhard 2.0, donc celle-ci on peut effectivement aller, c'est la dernière île qu'on peut visiter, parce que la première n'est pas accessible non plus. Donc ça c'est une île assez fat, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il y a 3 buildings assez énormes de blocs de fer. Regardez ça, c'est quand même impressionnant. Donc cette île est niveau 4500.
Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de niveaux à rattraper par rapport aux autres. Donc là on a en plus de ça un gros stack de redstone et donc à côté du lapis lazuli qui commence à venir. Donc on peut retrouver sur cette île ici donc un spawner à mob, mais avec des spawners évidemment. Donc vous avez un spawner à squelette et un spawner à zombie, donc plutôt intéressant. Ici vous avez un spawner à golem de fer, donc justement, donc encore une fois le même principe. Les golems de fer tombent ici, voilà, sauf que effectivement eux ils percutent la lave et après donc du coup le fer tombe là-dedans, récupérer, etc. etc. Vous connaissez du coup le principe, je vous l'expliquais juste avant. Alors ici il y a un bonhomme, alors là c'est encore plus intéressant, pour 3 dents vous pouvez avoir 2 lingots de fer. Alors là pour le coup c'est vrai que c'est vraiment pas mal au niveau de l'achat, donc c'est peut-être même plus intéressant que je sais pas qui, à vous de voir après, voilà, vous achetez un peu chez qui vous voulez, chez qui vous êtes inspiré. Donc ici vous avez un grand format canne à sucre, donc là par contre c'est manuel, mais je peux vous dire que vu que le nôtre fait à peu près cette taille là, mais seulement de cette surface ça fait du 45 ambres à peu près à la récolte, là vous avez quasiment bien 4 stacks d'ambres je pense pour une seule récolte, donc c'est vrai que c'est assez rentable. Je vous avoue que le canne à sucre c'est quelque chose où il faudrait un peu se focaliser parce que ça pousse vite et c'est très rentable au niveau des prix. Et ici vous avez une machine à cactus qui cette fois-ci est quand même ma foi assez mastoc. Regardez voir, vous avez donc 4 étages avec du 130 par 130 et là il est en train de farmer un 5e étage. Alors si on s'attarde un petit peu juste là à peu près au niveau du centre, regardez voir juste à la vitesse à laquelle le cactus est en train de tomber. C'est quand même ahurissant, regardez voir la vitesse à laquelle il arrive à stacker du cactus. C'est quand même ouf hein. Donc surtout qu'ils arrivent pas des fois tout seuls, hein. Il y en a 3-4 des fois qui sont stackés. Donc pour vous dire à quel point cette machine doit être rentable, on va regarder un petit peu en dessous au niveau de l'installation. Ah ouais, voilà, j'avais pas vu qu'il y avait encore plein de fer, encore de blocs de fer en dessous qui rapportent pas mal de niveaux. Donc là comme vous pouvez le voir effectivement, donc là il y a une optimisation des coffres un peu mieux foutue que la mienne, je dois vous l'avouer. Moi c'est vrai que j'ai pas optimisé la chose comme ça. Assez intéressante, donc les entonnoirs qui se suivent, hein, voilà, tout simplement. Alors là par contre j'ai une question, c'est que si ces stacks là sont full, est-ce que du coup le truc arrive à descendre ensuite? Je pense que oui, apparemment. Je ne savais pas, d'accord, moi je viens d'apprendre quelque chose, à mon avis c'est sûrement faisable. Donc voilà les gens, on a visité les top pièces, donc maintenant on va essayer donc de visiter, qui veut me faire visiter son île. Donc là on a regardé un petit peu les top pièces du serveur, on va essayer de voir maintenant un petit peu les IS un peu moins évoluées, avancées. On va aller voir donc du coup celle de Fulzo, donc c'est un modo, on va voir un petit peu ce que lui propose sur son île. Alors attendez voir, F-U-L... D'accord, donc je n'arrive pas à le faire comme ça, c'est génial. Et bah décidément bébé, tu me fais un peu chier avec ton pseudo, hein. Le joueur est introuvable. Pourquoi je n'arrive pas à me TP à... D'accord, je n'arrive pas à me TP à lui. Bon bah du coup on va essayer chez Cognacraft. On va regarder un petit peu les différentes îles, on va faire un tour rapide. Histoire que voilà, ce serait bien par contre qu'on accède un petit peu la requête, parce que c'est vrai que voilà, j'ai pas envie de m'éterniser non plus. Donc du coup Cognacraft, on a son île, donc c'est une île oula qui débute seulement. Petite île, mais ma foi avec une petite déco très sympa. On peut admirer le design de la salle des coffres, très propre, quelques petits arbres et quelques feuilles, très sympa. Donc ici on retrouve donc déjà un beacon, même deux beacons qui sont implantés avec un peu de fer, donc c'est vrai que c'est pas mal. Nous on va bientôt l'implanter. Un petit arbre un peu design, assez cool. Ouh là en dessous il y a quelque chose, là en dessous il y a un peu quelque chose qui traîne. Donc là on a un spawner à cochon, quelques coffres, ici la salle des enchantes, c'est pas mal. Donc là quand on descend il y a un début de tour à mob. Plus bas on retrouve donc du coup... Alors ici une petite maison, alors avec je pense qu'il y a un truc à poulet dedans avec des vaches, poulets. Donc là on a encore une fois donc du farm avec des mobs. Alors ici on a de la canne à sucre, ma foi très intéressant. Donc ici on retrouve le cacao. Et plus bas, donc là on a maintenant un farm qui a l'air... Alors j'allais dire automatique mais non, visiblement non. Je pense pas qu'il y a l'automatisme ici, il n'y a pas de PNJ, il n'y a rien. Donc je ne pense pas que ce soit automatisé. Donc ici farm à carottes, patates. Donc ici un tout petit farm auto à cactus. Et là cependant un début de farm cactus qui commence à être un peu... à prendre un peu place sur l'île avec encore une fois ici des citrouilles. D'accord, donc là il y a un petit début d'île. Plutôt sympa. Allez, on recommence à nouveau avec notre petit spam. Donc voilà, île plutôt intéressante de Cognacraft du coup. Alors full, j'arrive pas à me TP à toi. Alors on va se TP à Dark qui a l'air d'avoir un petit niveau un peu plus élevé. Donc on va essayer de se TP à Darkfall qui a l'air d'avoir un petit niveau sympa. C'est bon, j'étais en vanish. Bon alors on va essayer de se TP à Full. Voilà. Puisque du coup l'autre n'a pas accepté. Donc du coup on est effectivement sur l'île d'un petit modo. Voilà, donc on est sur l'île de Full, voilà, donc alors au début on est arrivé chez Dark, mais maintenant finalement on va directement chez Full. Donc ici on retrouve une machine à cobble exactement similaire à la mienne. Alors ici j'ai l'impression qu'il y a un totem de sacrifice.
peu chelou, hein. Peu chelou, fais attention, hein. Je me méfie de toi. Ok, donc là après, donc il y a un petit farm à cacao. Donc là, on retrouve effectivement des zones de farm, voilà, très simple. Ici, donc canne à sucre, citrouille, pastèque. Donc tout est manuel. Ici, un petit totem. Alors, c'est vrai que c'est bien présenté, mine de rien. Ici, on retrouve une salle des coffres. Waouh! Plutôt bien optimisé, assez sympa, propre avec les petits fours ici, c'est plutôt propre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? D'accord, donc là on a une espèce de totem qui présente un petit peu les différents membres de l'île. Donc là, une petite maison. Alors ici, je sais pas ce que c'est censé être. Bonne question. Anti-AFK, grave chelou, d'accord, ok. Alors ici, après, donc il y a du farm à mob. Donc là au centre, on dirait la farm à bois. Donc avec une petite déco avec les dalles, c'est plutôt chou. Donc là, une farm à mob, et là plus bas, donc du coup, un farm à cactus. D'accord, donc c'est pas trop mal, ça c'est sympa. Et là au centre, donc du coup, je vois qu'il y a une espèce de petite plateforme. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, pas réellement. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut une espèce de petite mine un petit peu, histoire de stacker un peu les levels. Ok, d'accord. Alors on va se re-TP à Darkfall. Parce qu'il nous avait accepté la petite TP. Et je pense que ce sera la dernière île qu'on va visiter ensemble. Pour cet épisode. Ah, elle vient de déco. Je visite une dernière île, qui veut? Veut. Voilà. On va attendre un petit peu de qui se prononce. Alors, je pense qu'on va choisir Steph Rambo. Pour vous visiter la dernière île qui est niveau 220 du coup, histoire de voir un petit peu ce qu'on propose. Donc alors waouh, beaucoup de cobble, un gros farm à canne à sucre là au-dessus. Donc je vous ai dit, la canne à sucre c'est vraiment rentable, donc il faudrait vraiment essayer de vous focaliser là-dessus, c'est vrai que ce serait assez intéressant. Donc là, de la fève de cacao, quelques petits trucs sympas effectivement, ok. Donc là en dessous, un farm à poule. Bon alors, après je crois pas qu'on puisse vendre des œufs, donc je sais pas si c'est réellement intéressant. Et donc là, dans le sous-sol, un début de farm à cactus. Alors encore une fois, soit vous pouvez proposer votre farm à cactus comme ceci, c'est-à-dire vous faites des étages, tac tac tac, qui tombent ensuite vers une rangée. Soit vous faites donc un sol plat comme j'ai pu le faire sur mon île. Donc du coup, vous avez pu voir un petit peu comment la farmer. Et ensuite après, entre chaque rangée d'eau, vous mettez des pancartes, ou bien vous mettez des portillons, ou bien vous mettez des plaques de pression. Mais il me semble que les plaques de pression, ça risque de ralentir un petit peu. Alors focalisez soit les pancartes, soit les portillons. Enfin voilà, écoutez les amis, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Donc d'ici là, portez-vous mes amis, c'était Mal, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à plus tard, enfin à la prochaine quoi. Allez. Ciao, ciao.